Dans quel état tu t'es encore mise? Oh là là. Hé, Juliette, on est en 52. C'est fini à courir pieds nus dans les bois. Tu fais penser à cette sauvageonne que j'ai vue au cinéma, à Vallon-Pont-d'Arc, où mon Raymond m'a amenée sur sa moto. Elle vivait aussi dans une grotte. Manon des sources. On peut faire un film sur toi. Ça s'appellerait Juliette des grottes. N'empêche que j'ai trouvé une grotte avec une peinture préhistorique, comme dans celle qu'on peut visiter en Dordogne. C'est une petite fille qui l'a faite, mais elle n'a pas pu finir parce qu'elle a eu peur d'un ours. N'importe quoi. Personne ne va te croire de toute façon, ma Juliette. Et pourquoi ce serait une petite fille qui aurait dessiné dans cette grotte? Et pourquoi pas? En fait, c'est toi la préhistorique. Je m'en fous que vous ne me croyez pas. Je le finirai, moi, son dessin. Et puis cette grotte, je la montrerai à personne. Alors, ça continue? Ah oui, ça continue. Ah, bien. Tu crois qu'on est les premiers à passer par là? Bah, c'est possible, regarde, il n'y a aucune trace. Oh, regarde, des dessins préhistoriques! Sérieux? Comme dans la caverne de Pont-d'Arc? Tu crois qu'ils sont aussi vieux? Non, regarde, ils ont oublié leur portable. C'est des gamins qui ont fait ça. Regarde, ils ont même dessiné un chasseur de mammouth qui téléphone à sa femme. Sûrement pour qu'elle prépare la sauce. Tiens, regarde, c'est signé, on sait même qui c'est. Juliette 52. 52, mais c'est quoi 52? Je crois que c'est la Haute-Marne. Stepped out my door about 3 or 4, round 5 or 6, something hits and we get lost on the floor forevermore. I remember those days. Just another dance free night. Et pourquoi ce serait une petite fille qui aurait dessiné dans cette grotte? Tu peux la refaire? Just
just another dance free night. De toute façon, ça capte pas dans les grottes.